Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Eva Medium, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on continue les astro-guidances pour le mois d'octobre 2022. Et le signe que nous allons faire tout de suite, c'est le cancer. Bienvenue les cancers, j'espère que vous allez bien. Alors rappelez-vous, les cancers, c'est un tirage général. Il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui vous parleront moins. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous, evamedium06@gmail.com. Voilà les cancers, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, j'ai scindé les vidéos, j'ai fait une vidéo sentimentale, une vidéo générale, j'ai séparé. Dites-moi si ça vous plaît comme ça ou dites-moi si vous préférez l'ancienne version. Voilà. Allez, on commence tout de suite. Merci pour vos likes aussi, vos abonnements, vos partages. Hein. Merci de continuer à vous abonner pour faire grandir la chaîne parce que moi, ça me fait plaisir de voir cette chaîne grandir, ce projet. Hein. C'est un peu mon bébé. Mais c'est beau de vous voir commenter aussi. Alors, je lis tous les commentaires, même si je ne peux pas y répondre tout le temps à tous. Je mets toujours un petit cœur et je les lis vraiment tous. Hein. D'accord. Allez, c'est parti les cancers. On va partir avec une carte pour votre énergie principale pour ce mois d'octobre 2022 avec le Wandering Star Tarot. C'est un peu votre fond d'écran qu'on va voir là tout de suite. Qu'est-ce qui va se passer dans votre énergie principale pour vous, les cancers? Hop. Zou. Allez, l'impératrice. Waouh! Allez, de l'abondance. La beauté, l'harmonie, la fertilité, l'amour. Superbe carte, hein, les cancers. Il y a quelque chose de très beau qui arrive pour vous. En tout cas, vous prenez l'énergie de l'impératrice. Donc, waouh, très, très belle, cette énergie. Une des plus belles énergies, d'ailleurs, du tarot. Allez. L'impératrice aussi, c'est celle qui est proche des, enfin, voilà, des enfants. C'est la fertilité, voilà, on est dans quelque chose. D'ailleurs, l'impératrice, elle est enceinte, hein, pas dans ce tarot-là, mais donc l'impératrice, elle porte des projets. Et des projets d'abondance, de grâce, de beauté. Bon. Donc il y a cette énergie-là que vous emprunterez probablement pour vous, pour le général. Ce mois d'octobre, les cancers. Allez, on va faire une coupe avec les 77. Ah, il y a une énergie masculine dans votre tirage. Alors, il y a quelqu'un avec qui vous n'aviez plus de communication. C'est une énergie masculine, mais mettez ça vraiment dans votre contexte, ok? Il y a un équilibre qui arrive par rapport à cette personne. Donc, c'était suite à une rupture de communication, la communication reprend, d'accord, avec quelqu'un qui était dans votre entourage. J'ai pas mal de ça en ce moment. Hein. Dites-moi si ça vous parle. Des gens qui ne communiquaient plus ensemble, qui se remettent à communiquer ensemble. J'ai beaucoup, beaucoup ça. Allez, les cancers. On va regarder 9 cartes. Avec les 77 pour votre tirage général. Tac. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit de votre deck? Donc, on parle d'équilibre hein, pour vous suite à une grosse dispute, suite à une grosse rupture, suite à une grosse cassure. J'ai trop de cartes. Vous êtes beaucoup, beaucoup posé de questions. Vous êtes pris la tête. Vos chemins sont séparés, mais vous avez réussi à retrouver de l'équilibre, de l'abondance, de l'épanouissement. Il y a quand même du repos. Hein. On parle d'une transformation et de nouveaux projets pour vous. Ok. Et sur un événement soudain inattendu, j'ai l'impression que cette personne va vous recontacter. Hein. C'est dès que vous irez mieux, en fait. Mais c'est toujours comme ça que ça se passe. Oh. Allez. Le centre de votre tirage, c'est un nom. Vous n'avez peut-être pas envie que cette personne revienne dans vos énergies. Hein. Il y a des blocages. Mais vous allez les dépasser. Alors, il y a des choses qui ne sont pas très claires encore par rapport à cette personne. Alors, ok. Vous avez mis cette personne de côté.
c'est comme si vous aviez fait en sorte que pour vous, elle n'existe plus. Et par rapport à ça, il y a une transformation parce que c'était un retrait nécessaire. Hein. C'était un manque hein, aussi. Cette personne vous a probablement manqué. Mais vous avez cherché votre épanouissement malgré ça. Et il y a du renouveau parce que j'ai l'impression qu'il y aura un rapprochement avec cette personne. Alors, il y a encore un petit blocage, hein, par rapport à ça. J'ai l'impression que ça peut prendre quand même encore 1 à 3 mois parce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires dans ces énergies-là. Alors, j'ai envie de retourner cette carte. Il y a une transformation profonde de vous, de cette personne, d'accord, de la relation que vous aviez. Hein. Il y a une fin renaissance. Hein. Alors, j'ai l'impression que vous ne voudrez pas faire de projet tout de suite avec cette personne, mais il y aura un renouveau. Ok. Alors, il y a eu des difficultés un peu pour dépasser tout ça, mais vous n'en avez pas parlé. Ouais, c'est quelqu'un du passé qui revient. Hein. C'est quelqu'un du passé qui revient, qui vous a manqué. Hop. Alors, vous avez dû en passer par une grosse transformation qui vous a beaucoup épanoui. Et effectivement, c'est à partir du moment où il y a ce renouveau pour vous que cette personne revient, réapparaît. Mais vous, c'est pas forcément sûr que vous l'accepterez comme ça tout de suite. À mon avis, c'est quelqu'un qui va devoir refaire ses preuves. On va essayer de trouver... Alors, c'est peut-être un tirage sentimental, hein, mais c'est peut-être un tirage juste affectif avec quelqu'un de la famille, hein, c'est possible. On va regarder tout de suite un complément d'information pour vous, les cancers. Allez, astro-guidance pour les cancers. Pour le mois d'octobre 2022, complément d'information avec les Gilded. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les cancers? Ouais, il y a cette énergie hein, qui est là. Il y a un éclaircissement hein, par rapport à cette énergie-là. Il y a un éclaircissement par rapport à une énergie d'une personne assez sensuelle. Ouais, c'est quelqu'un qui va faire des révélations, qui va se dévoiler, d'accord. Allez, 9 cartes avec les Gilded, hop, pour vous les cancers. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre tote deck? Oui, c'est quelqu'un qui portait des masques. Il y a quelque chose qui arrive de positif pour vous, qui est encore en gestation, un rêve, un projet. Cette personne vient vous faire une proposition. Mais attention, c'est quelqu'un qui manipule quand même pas mal. Il y a une transformation profonde. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui revient vers vous, qui vous propose tout de suite quelque chose de très, très officiel hein? C'est possible, hein? C'est un changement 360, parce que cette personne a des sentiments hein, vis-à-vis de vous. Hein? C'est peut-être quelqu'un qui réalise, hein? Mais c'est quelqu'un, attention, qui ne dit pas tout, qui peut un peu mentir, omettre des choses. Voilà. Soyez un peu vigilant. Alors, il y a eu une grosse introspection hein, de votre part. Alors, suite à vous étiez sur une direction et il y a un message qui arrive hein, de cette personne hein, qui était à l'extérieur maintenant. Une communication qui arrive assez rapidement. Effectivement, il y a ce projet-là, mais vous allez bloquer un peu les choses parce que vous allez vouloir regarder de plus près. J'ai l'impression que les cancers, vous n'allez pas succomber tout de suite. Vous allez vouloir regarder de plus près les choses et de plus près aussi certains blocages qu'il y a pu y avoir aussi dans le passé avec cette personne. Alors, ouais, alors... Il y a un blocage aussi qui peut être d'origine officielle. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a refait sa vie. C'est peut-être quelqu'un qui vient vers vous, qui n'est pas libre. Officiellement. En tout cas, c'est quelqu'un qui a des choses à régler avec certaines institutions.
soit par rapport à un enfant, soit par rapport à un projet que cette personne a. Ouais. Bah, c'est pour effectivement repartir sur des bases saines et pouvoir vraiment aller sur quelque chose de pérenne, hein, de stable. Hein. Okay. Donc, il y a une grosse réflexion qui va être faite. Alors aussi, vous avez du mal à lâcher prise dans votre tête, hein, c'est un peu compliqué. Et puis, ouais. Alors, on voit que vous allez réfléchir à des personnes qui sont quand même assez manipulatrices, hein, toxiques même, hein, autour de vous, qui ont peut-être aussi créé des problèmes dans cette relation dans le passé. Alors, mettez ça vraiment à votre sauce, c'est peut-être du professionnel aussi pour certains, parce que là, pour l'instant, j'ai pas forcément de carte de cœur là tout de suite. Donc, hein, c'est peut-être dans le professionnel où, effectivement, hein, vous attendez une promotion, vous attendez une nouvelle sur un projet, c'est un peu bloqué. C'est bloqué par quelqu'un, peut-être, voilà, qui manipule, hein. Mais quand le contrat arrivera ou quand la proposition arrivera, on va vous demander de regarder les choses cachées, hein, de ne pas vous laisser faire en tout cas. C'est un projet qui vous tient à cœur, hein, d'accord. Donc il y aura des échanges par rapport à ce projet, mais ce sera très très positif. Bon, j'ai l'impression qu'à partir du moment où vous remettez un petit peu les choses en place, hein, ça va être très très positif. Et on voit bien qu'il y a un super projet qui vous attend, hein, les cancers, donc pas d'inquiétude, les choses se mettent en place, il faut juste être un tout petit peu vigilant sur un peu le contenu, hein, de ce projet. Ben, écoutez, c'est un super tirage général. On passe tout de suite à la conclusion avec le Béline pour vous les cancers, pour votre astro-guidance d'octobre 2022, pour votre général. Allez, vous partez à la découverte, hein, probablement de ce nouveau projet. Hein. Puis c'est votre énergie, là. Hein. Donc ça, c'est super. Vous êtes dans votre énergie. Allez, pour la conclusion pour vous, il y a quelque chose qui se structure, il y a ce projet qui est là, qui se structure, et puis il y a la fin de quelque chose, ok? Donc j'ai l'impression que il y a quelque chose qui se structure suite à la fin d'un cycle un peu compliqué, suite à la fin d'une période un peu difficile. Vous allez peut-être aussi devoir trancher, hein, vis-à-vis de quelque chose. Hein. Mais ça, je le vois beaucoup en ce moment. Il faut beaucoup poser ses limites. Hein. Allez. En tout cas, il y a une fin et un renouveau. Hein. Okay. Une mort-renaissance. Allez, la conclusion pour vous, pour les cancers. Qu'est-ce que j'ai dans le dos de deck? C'est la fin des difficultés. Il y a peut-être eu des ennuis, hein, sur un projet que vous aviez, qui vous tenait à cœur. Il y aura des nouvelles qui arrivent assez vite et vous allez reconnecter avec le plaisir. On parle d'un contrat ou d'une entente, d'un partenariat, d'une union. Ok. Attention à vos émotions. Mettez-les de côté. Soyez pas... Voilà. Prenez le temps de réfléchir avant d'agir parce qu'il y a des gens qui sont là... qui ne veulent pas forcément vous voir réussir, ok? Si vous arrivez à canaliser ces émotions, il y a quelque chose de beau et la roue de fortune tourne pour vous. Attention quand même, lisez bien les petites lignes des contrats ou des propositions parce qu'il peut y avoir de l'abus de confiance, hein, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'on va vous demander de trancher, hein, ok? Allez, c'est vrai que vous êtes dans une période qui se termine où il y a peut-être un effritement de votre énergie, voilà. Vous êtes fatigué, ou en tout cas, ça vous tape peut-être sur le système, c'est ce que j'entends. Il y a quelque chose de bien qui arrive, hein, il y a un coup de chance. Il y a un renouveau qui arrive, mais doucement, hein, c'est pas immédiat, immédiat. Ça va être assez incertain. Et vous dissimulez un peu vos craintes, hein, vous ne le dites pas. Vous avez raison, hein, si c'est du professionnel, il ne faut vraiment pas montrer de faiblesse. Allez, il y a une reconnexion au plaisir, au bien-être.
Et il y a un retour du bien-être, d'accord. Donc si vous étiez sur un projet qui était un peu, qui vacillait un peu, ce projet revient. Si c'était une personne, cette personne revient. Reconnexion au bien-être, au plaisir. Et alors, il y a ce contrat qui est là, cette union, ce partenariat. Voilà. Donc effectivement, les choses se remettent en place suite à une fin de difficulté. Bah, c'est plutôt super, super positif pour vous, les cancers. En tout cas, j'espère que c'est pour vous. Merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et je vous fais de très, très, très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye, bye.